Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein. Donc je vous avais demandé sur Insta si vous préfériez que je vous fasse un gros haul avec les deux commandes que j'ai fait, puisque j'ai fait deux commandes avant que les taxes ne passent, ou si vous préférez que je vous fasse deux petits. Vous avez voté pour deux petits. C'était très serré, hein, c'était du 51%, je crois. Mais en même temps, ça m'arrange, comme ça, là, je peux tout essayer, les utiliser, les ranger, tout ça, enfin voilà, quoi, faire tout ce qu'il y a à faire. Donc là, il y a 5 pièces, mais dont 3 ensemble. Donc ça fait quand même 8 pièces en tout. Et voilà, je vais vous les montrer, je vous affiche le visuel d'un côté, les prix de l'autre. Je ne sais pas encore comment je vais goupiller. On ne fait pas attention au bordel sur le bureau de monsieur. Et voilà, donc je me mets au salon, chose que faut vraiment que je refasse une colo, hein. Chose que si vous suivez pas mes vlogs, vous n'êtes pas forcément hyper habitué. Mais voilà, ça change un peu. Et au moins ici, je pourrais vous montrer en pied ce que ça donne. Donc c'est parti. Maintenant, j'espère que j'ai pas eu le cul plus gros que les yeux, parce que j'ai tout pris en M. Même les trucs avec des pantalons. Donc on verra bien. Dans l'autre commande, il y a des trucs que j'ai pris en L quand même, pour être sûr. Voilà. Bref. Donc j'ai d'abord pris un ensemble comme ça, kaki. Enfin, qui fait plus... ouais, kaki. Alors, avec un petit top comme ça. C'est toujours très court, hein, chez eux. C'est vraiment, vraiment très court. Moi, ça va me servir de brassière. Après, pour l'été, ça ne me dérange pas pour traîner à la maison, mais je ne peux pas montrer ma brioche qui pendouille. Oh, quoi que le M, ça a l'air d'aller. Et là, le pantalon, donc avec un élastique et un cordon, et resserré au pied. La texture est assez fluide, assez légère, voire limite un peu transparente même. Oui, un peu. Et voilà à quoi ça ressemble de près. Donc là, il y a un défaut où je rêve, où c'est un pli. Il y a l'air d'avoir un petit fil qui s'est tiré. Bon, c'est peut-être bien un pli. On verra. Donc je vais essayer ça et je me recule pour vous montrer ce que ça donne. Donc clairement, j'ai pas eu le cul plus gros que les yeux, j'ai eu les yeux plus gros que le cul, parce que les autres que j'ai commandés en L, je pense qu'ils vont être trop larges. Voilà, vous allez m'entendre d'un peu plus loin puisque mon micro est par là. Pour du M, bon après c'est du loose, on est d'accord. La longueur c'est nickel. Là, même la hauteur du top, ça va, vu que le pantalon est assez haut. Là, je peux sortir comme ça, il n'y a pas de souci. On voit pas ma peau toute fripée. Donc, bah écoutez, je vous montre le dos. Ça, je valide. J'aime beaucoup. En plus, la couleur, j'adore. Il y a des poches en plus. Ça, c'est génial. Le cordon est un peu épais, mais moi, j'en ai pas forcément besoin. Enfin, quoi que si. Si je l'enlève, je le perds. Donc voilà, bah, écoutez, et c'est resserré en bas, donc c'est génial. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, premier produit, je valide. Ensuite encore un ensemble, hein, voilà, c'est ce que j'ai pris le plus pour traîner, vous ne me voyez pas bien, pour traîner à la maison, hein, pour remplacer un peu mes pyjamas tout débrôlés. Donc là c'est un peu... dans la même texture, mais en, comment est-ce qu'on appelle ça, en délavé, toujours élastique avec cordon, super fluide, un peu resserré dans le bas aussi, mais pas avec des élastiques, c'est avec des manchons comme ça. Et le top, c'est un top asymétrique, donc vous allez voir que j'ai une obsession avec l'asymétrie en ce moment. Là. Voilà, il est très beau, toujours très court, mais très beau. Donc je vais enfiler ça et je vous montre ce que ça donne. Oh, c'est tard. J'adore. Oh, j'aime beaucoup. Mais par contre, j'ai vachement peur pour le L, hein, que j'ai commandé. Je vais regarder ce que j'ai commandé en L. Donc la longueur, pareil, ça va super. On est super à l'aise. Il n'y a pas de poche à celui-ci. Le top est super beau. Donc là, j'ai juste replié la manche de ma brassière. Donc ça fait un peu chelou. Mais la brassière est très 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 belle. Hein. Magnifique. Alors c'est court, oui, mais comme les pantalons montent assez haut,
On ne voit pas ma peau fripée, donc ça passe crème, quoi. C'est très bien. Oh là là, j'adore. Oh, j'aime beaucoup. Vous ne voyez pas grand-chose, hein. Je suis désolée, mais... faut toujours se mettre loin pour que vous puissiez voir en entier. C'est ça qui est chiant. Vous mettre dans l'autre sens, mais j'aime pas trop pour les vidéos. Donc voilà. Oh là là, celui-là, j'arrive aussi. Là. J'adore. Je vous montre le dos. Et enfin, le dernier ensemble. Hein. Là, c'est un camouflage noir et blanc. Avec une ceinture haute comme ça. J'adore ça. Il n'y a pas de poche, ça me déçoit un petit peu. Le cordon est fictif, hein, il ne sert à rien. J'espère qu'il ne va pas être trop large. Il est super fin, super fluide et aussi un manchon comme ça aux jambes. Et la brassière, c'est clairement juste une brassière, quoi. Ça, je m'en servirai comme soutif, quoi. Mais voilà, c'est ce que je mets de toute façon, c'est ce que j'ai là en dessous. Un peu plus épais pour cacher les tétés, mais bon. On va essayer, je vais laisser l'autre en dessous quand même, hein, pour être sûr. Donc j'essaye celui-là et je reviens. Alors finalement la brassière ça va, elle n'est pas trop courte. J'adore les bretelles spaghetti comme ça, vraiment rondes. Donc là vous avez l'autre en dessous, mais bon. Le pantalon, heureusement que j'ai pas pris L. Hein, parce que là c'est du M. Et comme le nœud ne sert à rien, puisqu'il est juste là en déco, je le tiens pas très bien quoi. Mais sinon, l'ensemble est super joli. Et oui, je sais que tu vas bien l'aimer celui-là. J'aime beaucoup. Les jambes, pareil, vu que c'est resserré, même s'il est un peu long, il fait juste un peu loose sur les chevilles. Mais j'aime beaucoup. Hein. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien quand je suis ici. Oh là 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 là. J'adore. Par contre, ça me fracasse vraiment pour la deuxième commande avec du L. Bon, il y a un leggings que j'ai commandé, donc s'il est un petit peu trop large, c'est pas trop grave. Mais le reste, ça m'inquiète. Donc, ensuite, c'est un top et un gilet. Voilà. Donc, je vais vous montrer le top. Quand je vous ai dit que j'étais obsédée en ce moment par les effets asymétriques. Voilà, il se porte comme ça. Donc tout noir, côtelé, très beau, très bonne qualité, très belle finition, très doux, très belle matière. Donc vous avez une manche t-shirt et ça qui revient ici. Donc je vais l'essayer de suite parce que celui-là me plaisait vraiment beaucoup. Oh là 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 là, comment j'aime beaucoup! Oh, c'est beau! C'est canon! Canon, canon, canon! J'adore. Oh, c'est beau. Et la longueur est mieux. Hein. Voilà, vous n'avez pas le ventre à l'air. Ça va avec tout, avec une jupe, un jeans, un jogging. Ça va avec tout ce genre de haut. J'adore. Oh là 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 là. Mais c'est beau. Ouh. Oh, j'adore. Oh là là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Très bonne qualité. J'adore. Et ensuite, je me suis pris un gilet, donc pareil que d'habitude. Je ne m'imaginais pas qu'il était si court, mais il est très court. C'est un gilet noir, basique, court, mais vraiment très court. Mais ça, après, j'aime bien les gilets courts et les vestes courtes, je préfère. Donc, vous avez... c'est un peu côtelé aussi. Avec des longues manches qui sont peut-être trop longues pour moi. Et des gros boutons, trois gros boutons. Donc on va essayer ça tout de suite. Et je peux l'essayer devant vous. Donc ouais, les manches sont un petit peu trop longues pour moi. Mais pas de grand chose. Donc ça, il suffit limite de replier le bord ici. Voilà, de toute façon, moi je remonte toujours mes manches à trois quarts. Hein. C'est très rare que je laisse mes manches... voilà, il faut vraiment que je sois surgelée. Mais en principe, je les remonte à trois quarts. Mais oh, c'est beau. Donc, vous voyez, il m'arrive ici. Comme ça. Et ça, ça va pareil pour toutes les occasions, quoi. J'adore. Je
voulais un petit gilet justement court parce que j'ai que le long naf-naf qui se ferme pas avec la dentelle et tout. Donc bah, si je suis ici, vous voyez, c'est pas... Bon, là, c'est sûr que je vais pas mettre ça. Je préfère mettre mon pilou-pilou pour traîner à la maison avec les animaux. Mais en tout cas, il est très beau. Hein. Je suis ravie. Donc, je vous reprends de manière un peu plus droite pour conclure cette vidéo. Franchement, j'avais fait que un haul Shein vêtements et un pour les accessoires cheveux. Je vous mets les deux en barre d'infos. L'autre, il date, hein, le haul Shein. J'avais commandé pour un mariage qui a été annulé depuis un an ou deux, là. Et donc, voilà. Bon, j'espère que ce petit haul vous a plu. Je vous mets, bien sûr, les produits, tout ce que j'ai pris, tout ce que je vous ai présenté en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez les retrouver hyper facilement. Vous avez plein de codes promo. Hein. Moi, je vous ai donné les prix pleins, mais j'ai eu 20%. 15%. Bref. Vous avez plein de codes promo qui circulent. Vous en avez un. Il suffit de regarder sous les vidéos de DJ qui parle de Shein. Elle le note à chaque fois. Et voilà. Par contre, je suis ravie pour le... Enfin, pour tout. J'aime tout. J'adore le gilet. J'adore le top. J'adore l'ensemble militaire. Là. J'adore l'ensemble là. J'adore le kaki aussi. Voilà. J'adore tout. Je suis ravie. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent. Maintenant, je vous dis, je m'inquiète énormément pour les trucs que j'ai commandés en L parce que quand je vois le M ici, ça craint du boudin, comme on dit. On verra bien. On verra bien, je testerai. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour les échanges. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, puisqu'il me semble que vous, la vidéo, c'est samedi, donc demain, vous avez le weekly vlog. Bref, quelque chose comme ça. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.